Permission to ask a question, sir? Permission granted, Baldrick. As long as it isn't the one about where babies come from. No. The thing is, the way I see it, these days there's a war on, right? And ages ago there wasn't a war on, right? So there must have been a moment when there not being a war on went away, right? And there being a war on came along. So what I want to know is, how did we get from the one case of affairs to the other case of affairs? Do you mean, how did the war start? Yeah. The war started because of the vile Hun and his villainous empire building. George, the British Empire at present covers a quarter of the globe, while the German Empire consists of a small sausage factory in Tanganyika. I hardly think that we can be entirely absolved from blame on the imperialistic front. Oh, no. No, sir. Absolutely not. Man's a bicycle. I heard that it started when a bloke called Archie Duke shot an ostrich because he was hungry. I think you mean it started when the Archduke of Austro-Hungary got shot. No, there was definitely an ostrich involved. Well, possibly. But the real reason for the whole thing was that it was just too much effort not to have a war. By gum, this is interesting. I always loved history. A Battle of Hastings, Henry VIII and his six knives, all that. You see, Baldrick, in order to prevent war in Europe, two superblocks developed. Us, the French and the Russians on one side, and the Germans and Austro-Hungary on the other. The idea was to have two vast opposing armies, each acting as the other's deterrent. That way, there could never be a war. But this is a sort of a war, isn't it, sir? Yes, that's right. You see, there was a tiny flaw in the plan. What was that, sir? It was bollocks. So the poor old ostrich died for nothing. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre de l'année, en tout cas pour les 5e année, chapitre consacré à la Première Guerre mondiale, ou du moins aux causes de la Première Guerre mondiale, puisque l'on s'intéressera aux conséquences de la Première Guerre mondiale dans le premier chapitre de la rhétorique, donc, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais ici, en fin d'année scolaire de 5e année, il est intéressant de revenir un petit peu sur les causes de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale est un événement particulièrement marquant. On parle de guerre mondiale, justement, mais marquant pour l'histoire de l'Occident, ou en tout cas l'histoire mondiale, un moment véritablement où l'humanité entre dans une horreur incalculable et à certains moments, dans un manque de cohérence, un manque de clairvoyance humaine particulièrement avancée, notamment quand on parlera tout à l'heure de certains procès qui ont été faits pour désertion, que sais-je encore, des procès parfois totalement fous. Je tâcherai de ne pas oublier de vous mentionner un exemple, notamment du fait qu'on a fusillé un chat pour trahison à une époque. La Première Guerre mondiale va vraiment dans cette optique d'horreur en termes de combat, des combats violents, des combats sanglants, l'utilisation de nouvelles armes particulièrement horribles, et puis en termes de folie humaine qui vise à pousser le patriotisme à son extrême, au point d'aller jusqu'à fusiller un chat pour trahison, etc., etc., etc. La Première Guerre mondiale est un conflit qui est à la fois horrible, édifiant à certains égards, mais passionnant à étudier d'un point de vue historique à d'autres égards. Alors, il faut comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, et les causes de la Première Guerre mondiale commencent en Autriche-Hongrie, et plus exactement en Autriche-Hongrie, mais avec, d'une certaine manière, une influence de la Serbie. Il faut comprendre que la Serbie, depuis le 19e siècle déjà, est un pays qui cherche à prendre son indépendance. La Serbie, qui était autrefois sous la dépendance de l'Empire ottoman, comprend, à la fin du 19e siècle, voyant que l'Empire ottoman est un empire qui est en train de se déliter petit à petit, on parle d'hommes malades de l'Europe, donc véritablement l'Empire ottoman est en train de s'effondrer petit à petit, et la Serbie, dans cette dynamique,
comprend que ce serait peut-être dans son intérêt de commencer à se révolter, etc., pour tendre vers plus d'indépendance. Et ça, c'est quelque chose qui va émailler la toute fin du 19e siècle. Et puis, en 1908, la Serbie va être annexée à la Autriche-Hongrie pour éviter justement qu'elle ne rejoigne la Russie à partir du moment où elle quitterait l'Empire ottoman. Donc la Autriche-Hongrie comprend très rapidement qu'il est important de récupérer la Serbie et indirectement fait en sorte de la récupérer dans son escarcelle. Et finalement, la Serbie, c'est un territoire particulièrement hétérogène, un territoire dans lequel vous avez des cultures, des langues, des religions différentes. On a au moins 5 cultures différentes qui cohabitent avec 3 religions différentes. Et donc tout ça fait que la Serbie et plus globalement le territoire des Balkans est un territoire dans lequel on a un territoire qui s'avère être une véritable poudrière, c'est-à-dire à un moment donné que ce mélange de races, de cultures, de religions, etc. peut exploser à tout moment pour diverses raisons. Et d'ailleurs, ça explosera bien plus tard, bien évidemment, mais dans les années 90, on aura les guerres d'ex-Yougoslavie où on verra comme ça toutes sortes d'ethnies, les Croates, les Serbes, etc., qui se heurteront les uns aux autres. Et déjà au début du XXe siècle, à l'aube de la guerre 14-18, en 1914, la Serbie est une poudrière qui fait un petit peu peur. Et donc vous avez comme ça des tas de cultures qui cohabitent, des tas de cultures, de religions qui cohabitent. Et puis derrière ça, on a aussi le fait que plusieurs pays européens rivalisent pour s'accaparer les Balkans en règle générale. Et puis il va venir un élément particulièrement décisif, le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche va être assassiné. Et il va être assassiné justement par un Serbe qui s'appelait Gavrilo Princip, qui était un membre d'une organisation secrète qui s'appelait La Main Noire, et ce Serbe, Gavrilo Princip, va assassiner l'archiduc François Ferdinand et indirectement donner naissance à la Première Guerre mondiale. Dans la mesure où la Autriche-Hongrie étant partenaire de plusieurs États, le moment où la Serbie, ou un Serbe en tout cas, assassine l'archiduc François Ferdinand, ça déclenche finalement une entrée en guerre qui, par le jeu des alliances, va déclencher une espèce d'effet domino qui va mener le monde dans la guerre. Donc il suffit d'assassiner un archiduc en Autriche, en Autriche-Hongrie, pour déclencher la théorie des dominos qui va mener le monde dans la Première Guerre mondiale. Au début du 19e siècle, l'Empire ottoman est affaibli. C'est, dit-on, un vieil homme malade. Alors la Serbie se réveille, se révolte à plusieurs reprises et s'émancipe une fois de plus au Congrès de Berlin. En 1878, les grandes puissances européennes confirment son indépendance et celle du Monténégro. Pierre Ier, ami de la France, formé à l'école de Saint-Cyr, devient roi de Serbie. À la veille de la guerre de 1914-1918, la région est devenue un incroyable mélange de nationalités, un puzzle de peuples, avec 5 langues différentes. 3 religions, catholiques, orthodoxes, musulmanes, y sont pratiquées. On y utilise 2 alphabets. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche est en visite à Sarajevo. Il est victime d'un attentat. L'assassin est un Serbe. L'Autriche lance un ultimatum à la Serbie, qui le rejette. Les alliances concurrentes jouent automatiquement, et en un mois, la guerre éclate. Slovènes et Croates restent fidèles à l'Autriche. La Serbie résiste mal, mais en 1918, avec l'aide de la France notamment, elle l'emporte contre l'Autriche. Donc dès lors, on peut se demander qu'est-ce qui fait que la Première Guerre mondiale est déclenchée sur base de l'assassinat d'une personne. C'est ce qu'on appelle la crise de Sarajevo, finalement, le moment où à Sarajevo, on assassine l'archiduc François Ferdinand Ier. Comment se fait-il que la crise de Sarajevo soit à l'origine la Première Guerre mondiale? Et bien, pour comprendre ça, il faut remonter à la guerre franco-prussienne de 1870, dont on a parlé dans un des derniers cours, notamment sur les nationalismes en Europe. En 1870 a lieu la guerre franco-prussienne. Guerre franco-prussienne qui se solde par un échec de la France et une victoire prussienne. Dans cette logique-là, la Prusse va pouvoir réclamer des territoires qu'elle estimait lui revenir. L'Alsace, la Lorraine, etc. Et en 1871, dans le contexte qui nous concerne, le chancelier Bismarck, qui est un des grands vainqueurs finalement, qui est à la tête, qui fait partie des têtes pensantes de l'État prussien, le chancelier Bismarck va comprendre que prendre l'Alsace et la Lorraine est susceptible de donner envie à la France de se venger, de donner un esprit revanchard à la France, et par conséquent, le Reich
le Reich avec le, comment dire, Bismarck en tant que chancelier, va dès 1879 s'associer à l'Autriche-Hongrie et s'associer à l'Italie en 1882, ces deux pays donc en 79 et 82, pour donner naissance à ce qu'on appelle la triplice ou la triple alliance, c'est-à-dire une alliance de pays qui veut que si par hasard la Prusse est attaquée, la Autriche-Hongrie ou l'Italie sont obligés d'intervenir. Et donc cette triple alliance finalement vise à se protéger d'une éventuelle velléité guerrière de la part de la France. L'idée est vraiment de dire voilà, après 1870, en 1871, on a récupéré nous en tant que Prussiens l'Alsace-Lorraine, la France est susceptible de vouloir se venger, donc il faut qu'on fasse en sorte de la dissuader. Faisons une alliance avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Italie et faisons en sorte de la dissuader, lui faire comprendre que si elle cherchait à entrer en guerre avec nous, des problèmes graves se présenteraient face à elle puisque nous serions une triple armée qui interviendrait. Le problème, c'est que cette réaction ne fait pas qu'inquiéter la France. Elle pousse, derrière l'inquiétude, elle pousse la France à agir pour elle-même se protéger en cas, disons, d'attaque. Et donc en 1892, quand elle, la France va s'associer à la Russie. Elle va créer une alliance franco-russe en 1892 pour faire en sorte d'avoir un allié en cas de problème. Et là derrière, vous avez le Royaume-Uni qui, quant à lui, s'inquiète du programme de réarmement naval de l'Allemagne qui va rejoindre cette alliance franco-russe pour petit à petit faire en sorte de se protéger. On est ici en 1904. Donc vous voyez finalement que vous avez d'un côté l'Allemagne qui décide de se protéger en s'associant à l'Autriche-Hongrie et à l'Italie en 1879 puis en 1882. Et en réaction à cela, la France qui décide de s'associer à la Russie en 1892 et le Royaume-Uni qui, inquiet de l'importance militaire qui est en train de prendre la Prusse, s'associe également à la France et à la Russie en 1904. Et en fait, ça donne naissance, cette deuxième association entre France, Russie et Royaume-Uni, donne naissance à ce qu'on appelle l'entente cordiale, c'est-à-dire une entente en ces trois pays, qui va prendre le nom en 1907 de triple entente. Et donc à ce moment-là, vous avez vraiment trois pays qui se font face. La triple alliance qui rassemble la Prusse, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et en parallèle à ça, la triple entente avec la France, la Russie, le Royaume-Uni. Trois blocs qui vont intervenir. Vous comprenez dès lors que le moment où on va assassiner l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie, eh bien forcément, le moment où l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie est assassiné, la triple alliance doit intervenir pour lutter contre ça, et donc Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie entrent en guerre. Et elles entrent en guerre contre qui ? Bien évidemment contre l'autre camp, c'est-à-dire France, Royaume-Uni, Russie. On est à l'aube de la Première Guerre mondiale, rien que par le fait que ce jeu des alliances et cette théorie des dominos ait fait qu'une carte abattue, un domino abattu, c'est-à-dire l'archiduc François Ferdinand Ier, donne naissance à la Première Guerre mondiale. Alors cette Première Guerre mondiale, elle est particulièrement violente et elle est manifestée par les nationalismes qui prennent une énorme importance. Déjà depuis 1870, on sait par exemple que dès 1870, la France nourrit une haine inconsidérée contre la Prusse, et par conséquent, je pense, si mes souvenirs sont exacts, que le plus jeune engagé en 14-18 devait avoir 14 ou 16 ans. Parce qu'on enseignait dans certaines écoles, par moments, la haine du Boche, la haine de l'Allemand finalement, la haine du Prussien. Et donc ça, c'est une haine qui peut exploser en 14-18 et qui va pousser des gens à intervenir. Et donc, cette logique va particulièrement rendre violente la France. Mais derrière ça, il y a aussi un impérialisme de la part de l'Allemagne. L'Allemagne qui va petit à petit prendre une influence, notamment par le biais de l'installation du Bagdad-Bahn, c'est-à-dire une voie ferrée qui relie Berlin à Bagdad. Et ceci va créer, c'est un détail à mettre en parallèle à tout ça, va donner lieu à une crise marocaine entre 1905 et 1911. Et donc, on a véritablement une tentative expansionniste de plein de pays, d'un point de vue économique, etc., une haine qui reste présente depuis 1870, et ces rivalités vont accentuer les menaces de guerre en Europe, déjà même avant l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et donc, on entre déjà, avant cet assassinat, dans une course aux armements effrénée,
avec des dépenses militaires qui vont exploser, une durée de service militaire qui est allongée, qui passe de 2 à 3 ans en France, et comme je le disais précédemment aussi, dans les écoles, etc., on enseigne presque la haine de l'autre, on enseigne d'une certaine manière le fait que en 1870, il y a eu, en tout cas pour la France, une humiliation qu'il va falloir laver d'une façon ou d'une autre. On peut pas se planquer derrière le pacifisme. Je te demande de te contrôler, Walter. Je suis parfaitement calme. C'est ça, oui. C'est pour ça que tu sors un flingue. Je suis plus calme que toi. Contrôle-toi, nom de Dieu. Plus calme que toi. Et donc, les tensions s'aggravent dans les Balkans. Déjà, avant la Première Guerre mondiale, on a un vivier, comme ça, une course à l'armement, une haine qui se nourrit de la haine de l'autre, qui va sans cesse exagérer, qui va sans cesse augmenter, et qui va finalement culminer dans les Balkans, où la tentative de prendre l'influence la plus importante finit par créer des tensions. L'Autriche-Hongrie et la Russie rivalisent déjà au sujet des détroits en mer Noire et en mer Méditerranée, et par conséquent, tout ça va exacerber les choses. Et la Serbie, bien évidemment, dans son intérêt, soutient les revendications slaves de Bosnie, etc., etc., etc. Donc on voit que vous avez des indépendantistes, des nationalistes, des impérialistes qui interviennent là-dedans, une tentative économique de prendre certaines mers, certains détroits, etc., pour installer sa zone d'influence. Et les Balkans sont finalement cette zone dans laquelle toutes les influences se recoupent et dans laquelle vous avez une espèce de poudrière nationaliste, de culture, de religions différentes, etc., qui ne demande qu'à exploser. L'assassinat de Sarajevo, l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, offre finalement à l'Autriche le prétexte pour abattre la Serbie, pour se débarrasser de la Serbie. Et tout ça va finalement donner lieu à la guerre européenne, puisque l'engrenage des alliances, le fait qu'on a la triple alliance, la triple entente, va faire que ces diverses alliances vont se heurter les unes aux autres et amener le monde à l'éclatement. Alors, finalement, on entre donc dans une guerre européenne qui deviendra plus tard mondiale. Et cette guerre est une guerre qui a marqué particulièrement les esprits de par sa violence, sa longueur bien évidemment. On est dans une guerre qui dure 4 ans, puis sa violence dans la mesure où on est à une époque où on commence à utiliser de nouvelles technologies, notamment le gaz moutarde, toutes sortes de choses qui ont été depuis rendues caduques pour la plupart par diverses conventions qui visent à faire en sorte que les guerres soient davantage propres, pour peu qu'une guerre puisse être propre, mais véritablement une époque où la guerre est en train de prendre un nouveau tournant, une guerre qui se transforme en guerre de position. Vous avez des soldats qui sont dans leur tranchée, dans la boue, qui attendent le moment de faire une offensive très meurtrière dans laquelle ils vont soit se faire massacrer, soit entrer dans la tranchée ennemie et créer des ravages. Et donc tout ça va marquer les esprits. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle en 14-18 de la Grande Guerre ou la dernière des dernières, c'est-à-dire cette guerre qui est censée terminer toutes les autres guerres. On a vraiment cette idée qu'on est arrivé dans un tel niveau d'horreur, de violence, que cette guerre doit être la dernière. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, comme vous le verrez l'année prochaine en rhétorique, puisque la guerre 40-45 interviendra et d'autres guerres ont pris part dans le monde depuis à ce niveau-là. Et donc, les hommes vont, dès 1914, s'enterrer dans les tranchées pour une guerre, comme on dit, de position. Chacun prend position et attend le moment de l'assaut. Et finalement, cette guerre culminera en 1918 par la victoire des Alliés, par la victoire des Anglais, russes qui s'étaient entre-temps retirés du conflit, donc essentiellement des Anglais et des Français, face à la Autriche-Hongrie, face à l'Allemagne, à l'Italie. Et donc, cette guerre va être remportée en 1918, notamment grâce à l'appui des États-Unis qui entrent dans la guerre en 1917. Donc, il faudra attendre finalement la toute fin de la guerre pour que les États-Unis interviennent. Quoi qu'il en soit, sur toute cette base, on dénombre quasiment 70 millions d'hommes qui se sont battus sur les continents, et près de 9 à 10 millions de morts et de pertes qui sont liées à cette guerre d'une façon ou d'une autre. Que ce soit les bombardements, les hommes dans les tranchées, etc. On compte 9 à 10 millions de morts pour 70 millions de conscrits, 70 millions de personnes qui ont participé à la guerre. Et donc à ce moment-là, on va mettre des armes de plus en plus violentes qui vont intervenir, les obus, les grenades, différents gaz qui font leur apparition en 1915. Et ces éléments nouveaux, ces nouvelles technologies démontrent finalement le cynisme, la capacité de l'homme à entrer dans un cynisme et dans une violence de plus en plus importante. Et les batailles de Verdun et de la Somme en 1916 marquent véritablement cette violence extrême des combats.
Là-bas, la mort, aussi dure soit-elle, paraît plus douce que la vie. Vous ne pourrez pas duper qui que ce soit plus longtemps. Dès qu'on arrive là-bas, on sait qu'on est fichu, et même si on survit à cette horreur. Ça fait 3 ans qu'on en bave, 4 ans. Chaque jour semble une année, chaque nuit semble un siècle. Nos corps sont meurtris et nos âmes sont salies. La mort est notre compagne, la mort, nous vivons avec elle. Notre vie est fichue, on ne peut pas survivre à une telle expérience et rester intact. Alors ça, c'est pour la violence des combats, c'est-à-dire la guerre vue d'un certain point de vue, d'un point de vue très général. Mais il faut aussi réfléchir aux choses du point de vue du soldat. Le soldat est généralement dans une tranchée, c'est-à-dire une tranchée humide, boueuse, dans des conditions primaires où les rats circulent, etc., des conditions de travail, de vie, des conditions militaires particulièrement difficiles, avec un rationnement qui est délicat. Ils sont loin de leur famille. Pour peu que vous ayez un abri à un moment donné, bah, il suffit qu'un obus tombe sur cet abri, bah, vous êtes enterré vivant purement et simplement dans votre tranchée. Donc vraiment des conditions de vie qui sont particulièrement horribles. Et donc, c'est pas lui vivre dans des conditions de stress particulièrement intenses, des conditions d'horreur particulièrement intenses, avec des bombardements assez fréquents, dans la boue, au milieu des rats, des poux. Ils luttent contre le froid, ils sont vraiment dans des conditions assez horribles, vous imaginez ce qui se passe quand l'hiver arrive. Et ces hommes tiennent pour des motifs patriotiques, c'est-à-dire que dans leur logique, il y a cette espèce de patriotisme, cette nécessité de défendre la patrie, de défendre la nation et de se battre pour ce qu'on estime être le bien de la nation, le bien commun finalement. Et derrière ça, il y a bien évidemment la camaraderie, la logique de la phalange finalement, la logique du front qui est qu'on soutient ses camarades, on est sur le front, on est tous ensemble dans la même misère, dans la même horreur et il faut se soutenir. Et donc il y a ce nationalisme, cette nécessité de soutenir, dans certains cas on va y revenir, une peur des conséquences si l'on venait à déserter ou si l'on venait à adopter une attitude antipatriotique. Et tout ça va amener par conséquent finalement une crainte de la répression. Ces trois éléments associés à d'autres éléments font que les hommes tiennent vaille que vaille dans les tranchées de 14-18. Alors derrière ça, ça c'est la vie dans les tranchées, mais derrière ça, bien, il y a les bombardements des villes. Les villes sont bombardées à divers moments et certaines régions vont être occupées par l'ennemi, avec une population qui va être obligée de travailler pour l'adversaire, notamment des civils qui vont être employés dans des camps de travail, dans des camps d'internement aussi, qui vont être placés dans des camps d'internement. Et donc tout ça crée une dynamique particulièrement pénible, particulièrement lourde, entre les soldats qui sont au front dans des conditions de vie particulièrement horribles et la population qui est soumise à une occupation quelconque ou à l'horreur des bombardements de la guerre. On est dans des conditions qui sont particulièrement horribles. Pour citer un exemple de conditions de vie horribles et d'horreur de la Première Guerre mondiale, notamment une horreur dont on a reparlé récemment, puisqu'en avril, au mois d'avril 2021, le président américain Joe Biden a décidé de reconnaître le génocide arménien officiellement. Il l'atteste véritablement, en tout cas l'Amérique, au nom de Joe Biden, atteste qu'il y a eu un génocide réalisé par les Ottomans en Arménie, ou en tout cas sur les Arméniens. Ce génocide témoigne d'une certaine manière de l'horreur, puisqu'en 1915, entre 1915 et 1916, ce génocide arménien, c'est-à-dire une minorité chrétienne qui était déjà autrefois victime de persécutions dues au fait que l'on pensait qu'ils étaient ennemis avec l'allié russe, plus d'un million d'Arméniens vont être déportés, internés dans des camps ou exécutés tout simplement. Et donc, de 1915 à 1923, les historiens dénombrent entre 1,2 et 1,5 million de victimes de ce génocide arménien. Donc, le génocide arménien constitue encore aujourd'hui une forme de... Je ne sais pas si on peut parler de problème à proprement parler, mais une forme c'est une source, finalement, de dispute, une source de discorde en tout cas, entre certains pays qui n'ont pas reconnu le génocide arménien, certains pays qui clament qu'il n'y a jamais eu de génocide arménien, et puis d'autres pays qui attestent que ce génocide a eu lieu, dont les États-Unis récemment, ce qui a un petit peu relancé la problématique. Mais il est intéressant de se pencher sur un discours de Adolf Hitler le 22 août 1939, puisque Adolf Hitler, le 22 août 1939, donc on est à l'aube véritablement de la Première Guerre mondiale, on est peu de temps avant l'invasion de la Pologne, Adolf Hitler va tenir un discours secret à ses généraux, un discours secret qui va être retranscrit par un anglais et qui apparaît dans un livre qui s'appelle Documents on British Foreign Policy 1919-1949, qui est publié en 1954, et dans le tome 7, document 314,
on trouve cet extrait de discours, retranscrit, je le disais, par un anglais. J'ai moi-même fait une traduction de ça que je vais vous lire. Hitler déclarait donc le 22 août 1939 « J'ai donné l'ordre à mes escadrons de la mort d'exterminer sans merci ou pitié les hommes, femmes et enfants qui appartiendraient à la race polonaise. Ce n'est que de cette façon que nous obtiendrons le territoire vital dont nous avons besoin. Après tout, qui se souvient aujourd'hui de l'extermination des Arméniens ?» Donc là, vous voyez le cynisme chez Hitler qui vise à dire « Oh, finalement, personne ne se souvient de l'extermination des Arméniens entre 1915 et 1923. Qui se souviendra de l'extermination que nous allons nous-mêmes mettre en place vis-à-vis de la race polonaise dans ce cas-ci, vis-à-vis des Juifs hein, par la suite ?» Donc vous voyez, finalement, à directement la complexité de ce sujet, puisque aujourd'hui ça crée des crises diplomatiques à partir du moment où les États-Unis reconnaissent le génocide arménien, mais Hitler, dès le départ en 1939, en parlait en disant « personne ne s'en souviendra », on voit finalement la complexité du phénomène et du sujet. Quoi qu'il en soit, ce génocide arménien a bien eu lieu, et comme je le disais, entre 1915 et 1923, on dénombre entre 1,2 et 1,5 millions de morts. Et donc, ça, c'est pour ce génocide, pour les horreurs de la guerre, finalement, qu'elles soient les horreurs dans les tranchées, qu'il s'agisse d'horreurs vis-à-vis de la population ou d'horreurs vis-à-vis de certaines populations, dans ce cas-ci, les Arméniens. Et donc, il faut comprendre que le moment où le conflit devient mondial, les pays doivent investir toute leur économie, là, dans toute leur force économique, dans ces conflits. Et par conséquent, la production massive d'armement va entrer en place avec à l'arrière, sur le front, les femmes et parfois les travailleurs coloniaux qui vont être engagés, mobilisés dans les usines pour justement faire en sorte que l'armement suive, pour que les gens qui sont sur le front aient suffisamment de munitions, d'obus, etc. pour continuer cette guerre. Et donc beaucoup d'États vont avoir recours aux emprunts à cette époque, aussi bien auprès de leur population qu'auprès des États-Unis, qui finalement s'avère être le sauveur, d'une certaine manière, en 1910. Et donc, il y a quelque chose qui est intéressant là derrière, c'est que derrière cette mobilisation économique, il y a une mobilisation qu'on pourrait qualifier de morale, finalement. La nécessité pour les pays de maintenir le moral des troupes, le moral de guerre, et donc de faire en sorte que toute forme de découragement, toute forme de désapprobation de la guerre aussi, soit complètement occultée. Et donc, c'est les militaires, les militaires qui vont avoir tendance à écrire des lettres, mais leurs lettres seront, par exemple, surveillées, elles seront relues, elles seront censurées dans certaines mesures, parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'un soldat écrive à sa femme que... sur le champ de bataille, c'est une horreur, que cette guerre va être perdue, que ça ne sert à rien de continuer. Et donc on fait en sorte véritablement que le maximum, si pas l'intégralité de la communication qui se fait, soit une communication orientée, relue par le gouvernement et contrôlée, surtout par le gouvernement. Et donc les lettres de soldats sont censurées, la presse est contrôlée, censurée, et la propagande va bon train, puisqu'on fait en sorte maintenir une espèce de logique vraiment morale positive, une morale positive. Et donc finalement, vous avez l'idée que tous doivent rester mobilisés face à cette guerre. Alors ça nous amène à une petite digression, mais qui est tout à fait intéressante. Il existe, si mes souvenirs sont exacts comme ça, de ce qui me passe par la tête, trois films qui valent vraiment la peine d'être vus dans cette logique, puisque le gouvernement a été par moments jusqu'à faire fusiller des gens pour l'exemple, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui devaient servir d'exemple quant au fait qu'il ne faut pas trahir sa patrie et qu'il ne faut pas faire acte de désapprobation par rapport aux ordres qui sont donnés ou que sais-je encore. Il y a un film qui est très célèbre, qui est sorti en 2005 en France, qui s'appelle Joyeux Noël, qui parle de la trêve de Noël en 1915, à Noël 1914, les diverses armées qui se faisaient face ont décidé de se faire une trêve, donc il n'y avait pas de bombardement. Mais au-delà de la trêve, ils ont surtout décidé de dîner ensemble, de faire la fête ensemble, pour reprendre les hostilités le lendemain, bien évidemment. Mais il y avait cette idée que Noël devait être un moment sacré de paix, et ces armées se sont associées le temps d'un instant dans la paix, finalement. Et donc beaucoup de gens ont été jugés par la suite, et je le disais en tout début de cours, il y a même un chat qui a eu le malheur de traverser les tranchées à ce moment-là, qui passait d'une tranchée à l'autre, qui a été fusillé pour l'exemple. Donc on a été jusqu'à juger, fusiller un chat, parce que dans la logique, il fallait véritablement que l'appareil gouvernemental devait véritablement maintenir cette logique selon laquelle
il ne faut pas désobéir aux ordres et il faut surtout avoir, maintenir cette haine de l'autre. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple qui est l'exemple de Lucien Berzot, B-E-R-S-O-T. Lucien Berzot est un soldat qui a été lui aussi fusillé, jugé et fusillé pour l'exemple parce qu'il a refusé de porter le pantalon d'un mort. On en a fait un film en 1997 qui s'appelle tout simplement Le Pantalon. Je pense qu'en cherchant un peu, vous le trouverez sur YouTube en accessibilité libre et gratuite. Le pantalon, c'est cette histoire de Lucien Berzot qui finalement il n'avait pas de pantalon militaire et donc il a demandé à son administration un pantalon. Et on lui a donné un pantalon qui était taché de sang, vraiment un pantalon qui était dégueulasse, qui était le pantalon d'un mort. Et il a dit, je ne peux pas, par décence humaine, moi personnellement, et puis par respect pour ce mort, je ne peux pas porter ce pantalon. Et l'affaire a été très très loin, au point que Lucien Berzot a été jugé par la suite. Il sera réhabilité des dizaines d'années plus tard, mais quoi qu'il en soit, on l'a lui aussi jugé, fusillé pour l'exemple. Dernier exemple, c'est le cas de le dire, il y a un film de Joseph Losey qui date des années 60, je ne sais plus la date exacte, 64 peut-être, qui s'appelle tout simplement Pour l'exemple. Je crois qu'en anglais le titre c'est King and Country, pour le roi et pour la patrie. Et ce film parle également de cette logique des personnes qui ont été jugées, qui ont été fusillées pour l'exemple. Donc on voit véritablement que l'humain, l'administration, le système administratif, le système humain va très très loin dans cette logique presque propagandiste, mais surtout cette logique qui vise à ne pas avoir d'ennemis moraux, c'est-à-dire de personnes qui pourraient critiquer le bien fondé de cette guerre. Et donc on va jusqu'à censurer les journaux, jusqu'à faire acte de propagande, censurer les lettres de soldats, et même parfois faire juger et fusiller des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu donner l'impression qu'ils étaient objecteurs de conscience, ou en tout cas qu'ils avaient l'intention de lutter contre l'effort de guerre. Donc on est vraiment dans une guerre qui est folle de ce point de vue-là, en tout cas, qui est totalement folle. Alors en 1917, l'offensive du chemin des dames, je vais y arriver, sacrifie des hommes en vain. Et donc là, ça va donner, on est vraiment à la toute fin de la guerre, 1917, l'offensive du chemin des dames va donner lieu à diverses mutineries au sein de l'armée qui vont être toujours sévèrement réprimées. Mais derrière ça, vont avoir lieu à l'arrière-fond, bien évidemment, donc dans les régions qui sont en guerre mais qui ne sont pas le théâtre des opérations militaires. On va connaître des grèves et des revendications pacifistes à l'arrière-front, puisqu'après 3 ans de mobilisation, les soldats sont fatigués, les familles des soldats sont fatiguées, l'effort de guerre est important, il faut continuer. Et donc là, petit à petit, l'offensive du chemin de dames, qui va très très loin dans la logique de l'horreur, fait que les gens vont petit à petit se réfléchir et surtout se manifester quant à leur réflexion et leur antimilitarisme d'une certaine manière. Alors en Russie, ces revendications antimilitaristes vont prendre un écho particulier, puisqu'en 1917 vont éclater les révolutions russes. Plusieurs révolutions vont émailler l'année 1917 pour finalement amener un régime communiste au pouvoir, régime communiste qui, dès octobre 1917, va décider de se retirer de la guerre. Et donc, octobre 1917 nous entraîne dans une autre phase en Russie, et la Russie, à ce moment-là, se retire de la guerre. Si vous voulez plus d'informations sur cette révolution russe, vous en saurez bien évidemment plus l'année prochaine en rhétorique, mais bien évidemment, la capsule vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Je crois que c'est une double capsule, et vous pouvez voir ce qu'il se passe dans cette révolution russe. Et donc, les Russes vont installer la dictature du prolétariat, c'est-à-dire ils se retirent de la guerre, le tsar, c'est-à-dire le souverain russe, est destitué, et on installe une dictature socialiste, communiste, la dictature du prolétariat, où les prolétaires sont à la tête du gouvernement. Et enfin, dernier exemple, les femmes ont une importance particulière dans la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elles participaient à l'effort de guerre dans la mesure où à l'arrière finalement du front, c'est elles qui fabriquaient les munitions, etc. On parlait de munitionnettes, c'est un terme qui a été souvent utilisé, et ces munitionnettes, leur travail permettait finalement d'abreuver en munitions les hommes au front et de permettre de maintenir une importance dans la guerre. Vous imaginez si d'un coup il n'y avait pas eu de production de munitions, si cette production n'avait pas suivi, les hommes au front se seraient retrouvés sous-armés et auraient probablement eu d'autres camps. Le camp ennemi aurait eu l'ascendant et ça aurait été horrible. Et donc finalement l'importance des femmes dans la guerre, sur ce simple exemple, il y en a eu d'autres bien évidemment, le rôle des femmes dans la guerre a été particulièrement important parce qu'elles ont permis de maintenir la dynamique, l'effort et l'énergie qui était investie là-dedans. Voilà pour cette... Euh,
ce passage en vue particulièrement bref, parce qu'encore une fois, ça fait partie des sujets de la Première Guerre mondiale dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Ici, c'est un passage en revue assez bref, finalement assez concis, qui vise à vous donner un maximum de clés, d'éléments de compréhension concernant ce conflit, en tout cas concernant les causes de ce conflit et certaines grandes étapes de ce conflit, mais on y reviendra plus tard. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Des plaines, ils ont tiré sans discontinuer. Lui, il a pris un éclat et les premières salves. Il est retombé dans la tranchée. Oui, madame, je sais qu'on a dû vous prévenir. Le courrier de l'état-major a dû vous parvenir. Moi, madame, j'étais comme son frère à se martyr. Alors il fallait bien que je vous écrive. J'aurais tellement voulu qu'il sourire. Il m'avait dit qu'il vous aimait très fort. Ça serait vous de la vie à la mort. Que vous étiez belle, il vous aimerait toujours. C'était une grande histoire d'amour. En cet hiver de 1915, peut-être la guerre va s'arrêter. Il serait retourné alors dans votre village pour fêter l'arrêt de ce drame carnassier. Mais il n'en sera rien, il n'est plus avec nous. Vous ne mettrez pas de bébé sur ses genoux. Il avait l'air pourtant si doux. Madame, madame, surtout ne pleurez pas. Il vous regarde depuis l'au-delà.